Salut tout le monde, j'espère que vous me recevez bien. Ouais, alors pour les réglages, que ça soit vidéo ou son, sur la PS4 c'est très limité, hein, donc je suis désolé d'avance. Ah, le micro est mal réglé. Alors, il y a du monde là. Wow. Ouais, c'est une ambiance différente de Dark Souls. Hein. Alors, pour le game. Pour le gameplay, donc on a, pour ceux qui n'ont pas suivi l'actu du jeu, on a une arme en main droite, donc moi j'ai choisi la hache, et un flingue en main gauche qui permet de faire très peu de dégâts. En général, ça permet de pull, d'aggro les ennemis ou alors de les contrer si on tire sur l'ennemi au dernier moment, en fait, avant qu'il nous frappe. Cette arme en main droite, il y a également possibilité de la transformer. Donc en appuyant sur L1, tac, ça devient une hache allongée, quoi. Donc là, le moveset est complètement différent. On permet de faire des attaques circulaires, etc. C'est un peu plus lent, donc c'est différent, mais il y a moyen de comboter les deux, quoi. Donc ça se fait de façon très fluide. Hein. On peut vraiment moduler en fonction de ses besoins. Alors là, j'ai aggro des ennemis. Ouais, l'ambiance, ça fait un peu british, comme tu dis. Ça c'est fait. Ça buff. Là malheureusement, j'ai pas beaucoup de possibilités de vous arranger la chose. Je sais pas si ça se voit, mais c'est beaucoup plus... Oh putain! Je l'avais pas vu lui. J'étais en train de regarder. Oui, c'est le tout début, The Prince. Donc je sais pas si ça se voit, mais c'est beaucoup plus dynamique qu'un Souls. Puisque là, on est plus sur l'attaque que sur la défense. Merde.
Waouh. Donc, alors, je disais, je vais essayer parce que ça a un peu rien à voir avec un Souls classique. Donc, on a toujours en haut à gauche notre barre de vie en rouge et notre barre d'endurance en bas en vert qui se consume dès qu'on fait des actions en fait, hein, tout type d'action. Donc, là où ça change, c'est que notre barre de vie, quand on se prend un coup, elle est entamée, mais il y a possibilité de regagner une partie de sa vie si on réplique immédiatement en donnant des coups à un adversaire. Donc c'est une notion de risk-reward. Est-ce que je vais par là? Je suis désolé, je découvre le jeu en même temps, donc c'est compliqué. Je peux afficher le chat à droite? Oui, je peux, mais alors ça me bouffe ça me bouffe mon écran de loin. C'est un peu compliqué quoi. Voyons voir. Ok. Ça, on a géré. Je regarde pas mon iPad, je suis en double screen sur mon PC, donc la difficulté, alors pour le moment je vais pas trop juger parce que je suis vraiment au tout début du jeu, mais pour le moment la nervosité de l'action a pas l'air de. Le fait que ça soit plus nerveux, etc., ça rend pas le jeu plus facile parce que dans les Souls classiques, quand même le perso était un peu lent, enfin c'était plutôt axé défensive, on sentait le poids de son équipement, là déjà il n'y a plus le poids de l'équipement, hein, c'est fini ça. Donc on est aussi réactif, on est aussi mobile, pardon, qu'on est, y a plus d'équipe, de notion de quad. Alors les chargements. Si ça buff chez vous, je peux essayer de baisser la qualité. On va essayer de tracer. On va voir si ça passe. Ouais, ça passe.
Alors après la zone d'aggro des ennemis, je la connais pas. Ah, je pourrais rien, bon. Pour les lags. Dommage. Bon, là, je vais essayer de mieux m'en sortir. Ah, ok, ouais, ils arrivent nombreux, quoi. En fait, je vais pas tester. Il y a un excellent feeling au niveau des armes, enfin. Là, je sais pas si vous avez vu, mais. Déjà j'ai buté l'ennemi à travers le mur. Oh, il fait mal. Les chiens font mal. Fioles de vie. Les fioles de vie, elles se reset plus au niveau des feux de camp. Hein. C'est un consommable, un pur consommable. Donc si vous en avez zéro, vous en avez zéro, ça respawnera pas au feu de camp. Quoi. Comme c'était le cas dans Dark Souls. Qu'est-ce qu'il y a par là? Le level design a l'air toujours aussi tortueux. Ouais, salut Guibo. Ouais, pour le framerate, c'est vraiment pas ça. Hein. Je veux dire, là, la partie technique. Hein, Oh putain, je leur fais zéro dégâts quoi. Oh wow wow. Thank you.
Wow, putain. Oh non! Putain, aïe. Temps de chargement. Ouais, je sais, Guibo, pour le. Je suis sur la PS4 et les réglages sont vraiment très très limités. Que ce soit en termes de qualité d'image ou de son, donc. Je sais pas trop comment vous améliorer ça. Ouais, ça m'a fait penser aussi à Resident Evil 4. Ok, donc on va essayer de se cogner les loups-garous. On va essayer de les avoir un par un. Wow, wow. Non, non, non. Oh merde! Oh l'enculé de ça! Oh putain! Oh les enculés! Ce mob là que vous voyez au premier plan là, il est mais genre à. Allez, je déconne pas, il est à 50 mètres de là où j'étais. Non mais. Putain! Surtout que en plus je l'ai même pas eu le deuxième. Ouais, le feu marche bien sûr. Ouais, gros mat, au niveau de la barre de vie, de la stamina, etc., ça ressemble assez. Après, ils ont tout regroupé en haut à gauche. Toi.
traverser tout ça sans se faire tuer. Bon, du coup, le gros, on va se le faire parce qu'il va m'emmerder sinon. Tu peux faire toute la zone à la course, je pense pas au bout d'un moment. Autre nouveauté, si vous avez suivi un peu les Souls. Quand perdez ses âmes, restez au sol. Parfois là, certains ennemis peuvent vous voler les, vous voler vos âmes. Enfin, maintenant c'est plus des âmes, c'est des échos de sang. Et donc pour récupérer votre vos échos de sang, votre ressource principale en fait, bah, il faut tuer l'ennemi qui les a récupérés. Donc ça rajoute une difficulté supplémentaire en fait. Hein. Enculé, sérieux! Ah, oh, putain! Salut, gros mat! Ouais, j'aurais dû utiliser les cocktails, mais bon. J'aurais aimé en aggro qu'un seul, quoi. Les loups-garous, ça va être l'objectif de ce soir, passer les loups-garous. Je sais pas si c'est moi qui suis rouillé ou qui suis pas adapté au gameplay. Mais il faut mal comment on les prend à deux. Ils font très mal quoi. J'ai voulu enchaîner, j'aurais pas dû. Je
on prend pas les bons réflexes. Donc là, le chien, je sais pas si vous voyez, il a les yeux blancs comme ça là. Il a chopé mes souls, mes âmes. S'il me tue pas, putain! Ah non, c'est bon, j'ai cru que j'étais mort. Allez. On tente les loups-garous. Ils sont vraiment tendus ces bâtards quand même. Allez, viens là. Oh mais non là, enculé sérieux. Quand ils te prennent en sandwich, c'est fini quoi. C'est pour tester les. C'est pour tester les temps de chargement. Ouais, j'aime les faire au cocktail quoi, mais bon, j'aime pas trop utiliser mes ressources, mais bon là. On va se les faire au cocktail. Ouais, on va lui molotofer la gueule. Ça va pas faire un pli. T'as rien toi? Pas de SSD dans la PS4, par contre tu peux en installer. Et apparemment ça réduit les temps de chargement de 25% dans Bloodborne. C'était risqué. Donc là c'était lui qui avait mes échos de sang. Donc là je vais les récupérer. Voilà. Ouais, je pense que l'investissement dans un SSD c'est pas franchement. Ah! Bâtard! Voilà! On va pouvoir voir ce qui se passe
après les loups-garous. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que je vais par là? Est-ce que je vais par là? Allez. On tente. Oh putain! Mais y'a pas un raccourci par là, hein? Malédiction! On est perdu! Le level design, c'est... Ok, là ça ramène par là, donc c'est pas par là. Je crois que je me suis compris. Yes! Premier raccourci! Donc là, c'est là d'où je venais au début du stream que vous m'avez vu mourir 40 000 fois. J'ai débloqué cette porte. Et donc maintenant, j'ai plus qu'à faire ça. Ah, y'a un mec à l'étage? Ah, c'est bonnard les mecs. Tiens, là y a quoi? Ah bah c'était là, ok, d'accord. Oh putain, y'a des corbacs. Wow! Ça fait le ménage ça, l'attaque puissante. La DA quoi. Ça tue. La gueule. Ah putain. Ah oui, c'est le boss qu'on avait vu dans l'alpha ça. Ok. Ah mais je lui ai rien fait comme dégâts.
Ah merde. Ça. Il est vénère là. Oh là. Non. Oh la caméra, la caméra. Ah tu déconnes là. Safe. Oh l'esquive. Oh putain, il a une allonge. Viens là, viens là. Tout va bien se passer. Oh la caméra, t'es dans les choux, putain! Ah, la caméra là c'est vraiment problématique. J'y vais au flingue là parce que je suis pas. Oh ta mère. Ouais. Ouais putain. Ouh. Oh. Je crois que j'ai niqué 20 fioles sur ce boss.
allumer la lampe, tu m'étonnes. Ah non, c'est pas ça qu'il faut faire. Là, ça m'aurait fait rager. J'aurais pas été loin du rage kit là si j'avais. Si j'étais mort. Ah bah tiens, elle est réveillée. Bonjour, brave chasseur. Je suis une poupée. Je suis dans ce rêve pour veiller sur vous. Ah, ça permet de vous voir la VF qui est pas dégueu quand même. Partez en quête des échos du sang. Je les canaliserai pour vous donner plus de force. Vous allez chasser des monstres. Et je serai avec vous pour soutenir votre morale défaillant. Très bien. Que les échos... Laissez-moi approcher. Fermez les yeux. Ouais, je peux monter pas mal de niveaux. On va faire ça au départ. On va partir sur... On va maximiser l'enduit et les PV. Adieu, brave. Puissiez-vous trouver... La VF, vous la trouvez dégueu? Moi, je trouve que... Bon, j'ai pas encore pris le temps de le passer en... Il y a les sous-titres. On peut passer directement le jeu en anglais depuis les options du jeu. Ça, c'est bien vu. Mais la VF, je la trouve en accord avec ce qui se fait dans la série, je trouve. Les voix sont pas... Ah, d'accord. Ah, la VF par défaut. Ouais, non, je pense que la VO... Merde, 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 merde. Ah, la caméra, la caméra. Oh putain, bah d'ailleurs j'ai plus de vie. Est-ce que j'y étais allé? Oui, là il y a le bûcher. Ah, tu trouves bien la caméra, Bardak? Franchement, enfin, sur le replay, là, il y a un moment, la caméra était était quasiment, allez, je veux pas faire mon Marseillais, mais elle était en dessous du pont, quoi, pour le boss.
Oh non! Ouais, c'est mon taxi, tu es mort. C'est le moteur Avoc, je crois, comme dans... Si je dis pas de conneries, c'est Avoc dans Dark Souls. Comment t'as pu mourir? Je ne sais pas. Je sais pas. Sur la caméra, j'utilise pas le lock. Moi j'ai tendance à l'utiliser, c'est vrai. Donc parfois la caméra elle peut déconner. Honnêtement, avec le lock, ce que la majorité des joueurs utiliseront. Ça a pas été amélioré hein, la physique. Les loups-garous, ouais, ils... faut des drops de fioles de sang, ce qui correspond aux fioles de santé. Ils ont été généreux, ça va. Parce que bon, au respawn. Ah, c'est lui qui a mes. Ah putain, j'ai aggro les deux. On a des galets là maintenant pour aggro les mobs. Vas-y. Ah putain, cette caméra, bordel! Voilà. Ah oui, bah oui, je suis con. Par là, c'est le raccourci ou pas? Je sais plus. Non, ah oui, par là c'est le pont, ok. Salut Bultom. Ah les chiens, putain bordel. Faut pas les interrupter. Violent les clébards. Est-ce que là c'est le pont où j'étais? Non, c'était pas le pont où j'étais ça. Ah
ce cas. Vous connaissez un endroit sûr. J'ai entendu dire qu'il y en avait. C'est pas toujours suffisant de s'enfermer. Si vous vous bougiez un peu les fesses, on n'en serait pas là. Vous avez le devoir de m'aider. Vous entendez? Alors, qu'est-ce que vous décidez? Vous allez me le dire, oui ou non? Oui, j'aurais dû m'en douter. Bon, à rien. Et plus de respect pour les aînés, vous autres, les étrangers. Vous en fichez pas une. Ah oui? Matez cette barbe. Vous croyez qu'on est tous dingues? Pas vrai? Allez au diable. Je connais vos attrape-nigauds. Mais là, ça sent le level design de dingue. Oh putain, t'es qui toi? T'es déjà plus costaud que les ennemis de base. Ah salaud, je pensais mettre... Le level design a l'air complètement fou, c'est... Le gameplay... Merde. Ah putain, j'ai claqué mes fioles là. Oh, cette allonge de bâtard! Je le voyais pas comme ça. Ouais, là j'ai pris cher. Ouais. Mais je pense, j'ai mal calculé la distance. Je pensais pas qu'il frappait aussi loin, quoi. Enfin, je pensais être hors de portée, et puis non. Temps de chargement, hein. Le défaut du jeu avec l'aliasing et les 30 fps. Hein. Ah ouais, j'ai pas de bloqué de raccourci là. Ouais, les étals en bac, c'est fait. Ramasse! Oh.
pièce étincelante, je pense que c'est ça. T'as rien droppé toi. Je vais essayer de rusher, je sais même plus par où je suis passé. Non, c'est pas par là. Par là. On va essayer de rusher pour voir. Ah, là j'y suis pas allé là. Ah bah ok, ouais. Merde. Ah, j'étais monté par là. Non, j'étais pas monté par là. Oh, j'étais passé, putain. Ah voilà, là ça me dit quelque chose là. Les clés d'or. Les cages elles sont là. Ça m'aurait étonné ça. Non c'est bon. En fait, hein. J'aurais dû faire ça de départ. Est-ce que je peux le casser? Ouais, la caméra, ça fait partie des défauts aussi. Est-ce que je peux sauter là? Ouais, ça va. Ah! Ah, c'est toi qui as mes échos de sang, bâtard. Que je vais faire si je vais me débarrasser des types. Et ben voilà, quand on chope les patterns. Ah oui, c'est vrai, Guibo, j'ai fait tomber un truc. Putain, je me rappelle même plus de ce que je fais. Ah, mais il y a encore un niveau en dessous, mais bordel, mais. Trop de qualité dans le level design, trop de qualité. Ah, c'est ça que j'ai fait tomber. Ah, mais il y a des rats en bas. Un rat. C'est ça que j'ai fait tomber, hein. Un orage. Silence. Je crois que je suis obligé de descendre, hein. Non!
va tester par là. Allez, bim! Savoir de démon. Eh, mais je regarde même pas ce que je chope là. Aidant à trouver son chemin. Donne de la lucidité. Ouais, je crois avoir lu ça. Ça, je l'ai lu par contre. Je crois que c'est l'équivalent de l'humanité. Putain, cette DA, bordel. Là, c'est l'échelle. Là, c'est l'échelle d'où je viens. On va avancer un peu, on va voir. Là, il y a un bruit bizarre par là. Non, c'est pas un bruit bizarre. J'entends Darl. Non, là je sens pas. On va tenter par en haut. Est-ce que je suis passé par là? Non, il y a des corbeaux. Là, dis-moi qu'il y a un raccourci par là. Ah mais ah ouais carrément. C'est bon, merci d'être venu. Je t'ai dégommé. Wow. Misérable étranger, vous essayez de me faire ouvrir cette porte. Grand Dieu, j'ouvrir à la dépravation. On va tester la porte, ça m'intrigue. Je suis sûr que c'est un raccourci. Il y a un petit côté forteresse de fer pour ceux qui ont fait Dark Souls 2. Là, le ciel et tout. Ah, fermé par un. Ah, pff. Oula, oula. L'étoile, elle a un petit souci là. Raccourci. Ça vous dit quelque chose là? Fontaine, le gros raccourci. C'est dingue. Bon, pour le moment, je dis bien pour le moment parce que là, je sais pas, je dois avoir 2 heures de jeu même pas. Pour le moment, là, c'est level design de fou furieux quoi. Le gameplay, bon, j'en parle pas. Franchement, il y aurait pas les tares techniques. C'est bon, déjà c'est GOTY, mais sans les tares techniques, c'est Game of the Century. Quoi.
Ah, ils prennent pas trop de dégâts. C'est quoi au pont là? Raccourci. Ouais, là je reviens là où j'étais quoi. C'est ce qu'il faut faire. Tac. Tu prends l'ascenseur, comme ça. Comme ça, c'est bon. J'aurais pas besoin. On va essayer de se faire ce truc là. Je sais pas trop comment le négocier. Ouais, il a pas l'air content. What, t'as pas l'air content. Allez, viens là, viens là. Viens là, mon gros. Ah, il gardait pas mal de choses. Badge de chasseur à la scie. C'est pas trompé. Wow. Non, on descendra pas. Hein. L'embuscade attend. Ah. Non, mais on la connaît l'astuce. Il y a un coffre et tout, et puis tu te fais dégommer. Ah, Bardak, ça se fait pas.
Ah. Tiens. Franchement, la VF est pas dégueu, sérieux. Enfin, je veux dire, la VO2 est meilleure, mais la VF est pas dégueu, quoi. Ah! Ah oui, quand même. Qui fait mal. Wow. Ah, tu fais mal avec ton flingue, enculé. Ah putain, il m'emmerde avec son flingue, hein. Je peux pas le contrer, ça. Oh ta mère. On va pas être potes tous les deux. Wow, wow. Non. Ah putain. Trop jeune pour mourir. Trop de fierté pour montrer votre véritable visage. Mais c'était de la chasse sportive. Oh non, putain, il a l'air facile en plus. Il a pas l'air trop dur, quoi. Non, franchement, ça va, il a l'air de passer celui-là. Ouais, il passe celui-là. Par contre, je me souviens plus par où faut passer. Ah putain, c'est temps de chargement, quoi. Ah ouais, pff. Non, là il faut pas que je redémarre de là. Il faut que je redémarre. Ah ouais, putain, c'est casse-couille ça. Il faut que je redémarre de l'autre endroit.
Ah ouais, j'ai plus de fiole en plus, t'as raison. J'ai tout craqué. Non, c'est bon, normalement avec l'escalier, ça devrait le faire. L'ascenseur, ça devrait le faire. Je devrais être, je sais pas, pas trop loin du boss, enfin. Il faut juste penser à se renvoyer l'ascenseur. Rien. Ah, les deux, je vais quand même les faire parce que ils doivent lâcher des fioles de soins, quoi. Faut juste penser à ça, parce que si tu penses pas à ça, t'as plus un bon rallongi, comme on dit. Par contre, il vaut mieux que je passe par en bas, je pense. Ah, il y a encore mon ami le sanglier. Ah merde. Non, 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 là je mourrai. Allez, c'est parti. On le retente. Ah non, il y a eux. J'ai oublié. Ah tiens, il y a le brouillard. Hop. En même temps. Bon. Ah. Ah mais je suis mauvais, putain. Ah, on peut pas le coup critique. Pour la fierté. Oh bon allez. Véritable visage. Oh j'arrête pour ce soir. Mais c'était de la chasse sportive. Oh putain. Il m'agace. On peut pas là, quand il accroupit, lui mettre une talache là? Sérieux quoi. Ouais non non mais je pense qu'il est facile quoi, c'est juste que...
Ouais, mais alors Zad, quand tu dingues, tu peux pas cancel en fait. Il y a une animation que tu peux pas cancel. Donc si t'as décidé de déclencher le flingue. Si t'as décidé de déclencher le flingue, bah tu peux plus esquiver. En tout cas le temps de l'anime. Hein. J'ai même pas récupéré mes fioles de soins. Je... Ah, enculé. Faut avancer au cac quand il est stun, c'est ce que j'ai fait. Bon, les derniers try sur le bot. Quoique lui, je peux toujours le faire quand même. De fioles de soins. Ouais, j'avoue qu'il monte les échelles un peu comme un fax. Ah, d'habitude ça les... Ça c'est fun quand même. L'attaque chargée, honnêtement c'est fun. Ça envoie du bonheur. On va se soigner un peu. Non, avec lui, il vaut mieux que je me mette une main. Oh là, je t'enchaîne, t'as rien vu là. Ah si. Et là j'y vais là au corps. Putain bon c'est pas pour moi le contrat. Oh ta mère sérieux.
Ah, je suis en train de gaspiller toutes mes fioles là. C'est pas cool. Se quittera sur un rage quit. Père Gascogne, je crois que j'ai vu. Salut Fléfou. Ouais, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu sur Opti en plus. Bon, ben, j'espère que ce petit stream vous aura plu. Et que je vous aurai fait partager la qualité de ce Bloodborne. Qui pour le moment, enfin je sais pas, je dois avoir 2-3 heures de jeu. Mis à part le côté technique, je trouve que des qualités. Hein, direction artistique, level design, les boss aussi ont l'air excellents. J'ai pas grand chose à lui reprocher. Voilà. Bon. Mais j'espère que ça vous aura plu. Et bah demain, si la place est libre, je streamerai. Enfin. Voilà.